Salut à tous, c'est Alex, on se retrouve pour le deuxième épisode de Let's Play sur version fille du chapitre 1 pour l'instant. Alors, bonne nouvelle, enfin, mauvaise, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Non, on va commencer par la mauvaise déjà. Bah, comme c'était prévu, j'ai quitté le jeu, j'ai perdu la sauvegarde. Et bonne nouvelle, j'ai recommencé le jeu et j'ai réussi à sauvegarder. Donc c'est nickel! J'ai réussi à créer tout le truc et tout, mais vu qu'on a mis genre 40 minutes à commencer. Là, vous verrez que j'en ai mis très 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 peu. Franchement, je crois que c'est une grosse différence, mais ça se voit comme pas possible. Continuez, attendez, tout ce qu'on peut. Je vais remettre le son. Parce que vous l'aurez sûrement, mais moi j'ai vu. Hop, on reverra ça. Ça va. Voilà! Et du coup, moi ça a duré 16 minutes. C'est très cool. Voilà. J'ai refait tout ce qu'on a fait jusqu'à arriver ici. Voilà. Comment c'était laissé en plus? Bon, c'est parti, allez. Ça, on avait déjà parlé. Du coup, on va faire. C'est le combat! C'est génial! Du coup, il n'y a pas du tout les mêmes stats. Hein. J'ai fait un peu comme je m'en souvenais, mais visiblement, c'est pas ça. Hop. Et je me souviens qu'il faut pas trop perdre de vie. Sinon, on est dans la merde. Merde, dommage. Voilà. On se bien. Défoncez là! Voilà. Yay! De l'XP! Ça, je sais plus ce que c'était. Ok, une bague rouillée. Pas mal. Un gros caillou. On va voir. Alors, bague rouillée. Ah, pas mal. Je vais mettre ça sur Chironia, je pense. Alors. Tac. Merde, je vais voir aussi le gros caillou. Gros caillou. On a mis tous les ennemis. Ah, pas mal ça. Ça pourrait tout le monde. Bon, on va un peu, on va des ennemis et tout. Je vais défoncer les. C'était toi en premier. Ouais, le niveau commentaire, c'est pas terrible. Hein. C'est tous niveau 4. On peut augmenter les stats. Donc, stats, on commence par là. Attaque, surtout. Voilà. Voilà. Et attaque aussi, c'est là. Et là, ce serait plutôt magie. Voilà. Nickel. Comme, voilà. Je sais plus cette énigme, mais ça va être assez compliqué. Ouais, il fait tout noir, j'ai peur. C'est quoi cette épreuve? Silence! Ben. Enfin un peu de lumière. Silence! Ah, tu vas la fermer, oui. Nous avons quelques questions à poser. Ah, sympa. Oh, t'es qui d'abord? Je suis Eyada. C'est pour tromper l'ennemi. C'est stupide. Alors moi, je m'appelle Kuronia. Toi aussi, tu t'y mets. Mais c'est amusant, je devrais faire pareil. Elle, c'est bleu. Eda est jaune. Les bâtards. Silence! Bien, commençons notre interrogatoire. Faut d'abord musique! Ouais, c'est très simple, musique. Pourquoi vous donnez pas vos vrais noms? Je viens de le dire, c'est pour tromper l'ennemi. Nous sommes l'étoile noire, nous sommes vos ennemis. Tukan, nous sommes des ennemis Tukan. Parce que bleu et black, que vous appelez l'étoile noire? Tout à fait, bleu et black, donc nous sommes les étoiles noires. Que vous appelez les Black Stars. Et j'ai une étoile noire, moi aussi? Elle n'existe pas. En même temps, nous n'avons pas prévu ton existence. Ah d'accord, j'en dis trop. Alors, je veux simplement dire aussi que je parlais trop vite. Ou j'articulais pas assez. Je vais essayer de m'arranger. Ah, désolé. Je suis Kuronia, pas Nanako. Fais attention, bleu. C'est énervant. Bref, Fia Quet Rose, c'est nous qui posons la question ici. Oui, silence. J'ai rien dit, là. Ta gueule! De voir comment t'appelles-tu? Petroni. Bien, bonne réponse. Quel nom ridicule. C'est pas un peu bizarre. Eh, je blaguais, Petroni s'écrit avec DL. On s'en fiche. Son interrogatoire risque des problématiques à cause de son comportement. J'ai un comportement normal. On termine l'interrogatoire tout de suite. Ouais, pas la peine de continuer. Mais quand même, une récompense pour que la dame à voile ne se doute de rien. Laisse-moi réfléchir. Tiens, une patate. Eh, juste une patate? Ouais, juste une patate. C'est cool, les patates. Bref, au revoir. Ah, d'accord. Sympa, les animes.
Oh, re, c'était comment? J'ai rencontré des gens bizarres. Bizarre comment? J'ai oublié. Mais je vous jure. T'as vu sa femme nous raconter? Voilà. Bon, bah, du coup, on a gagné une patate, c'est bien! Ouais, 10% des PV, ça va être génial. J'ai oublié de me racheter les trucs. Par contre, j'avais acheté des plumes de pigeon. Génial. Il y a qu'une araignée, je pense que ça devrait aller quand même. Ouais, il est parfait. C'est pas sympa. Ah si ça passe. Oh ça va. Eau potable. Tac, on passe à l'énigme suivante. Je sais pas si on aura fini le donjon aujourd'hui ou pas. C'est à voir. En tout cas. Prochain épisode, c'est sûr, il sera fini. Ouais. Parce que la première partie, je crois que c'est la plus... Alors pour moi, c'est un peu la plus chiante à refaire, parce que j'ai fait 2-3 fois. En raison de ce que j'avais commencé en nouveau let's play, parce que j'en avais. Ouais, parce que j'avais déjà commencé un let's play, mais après j'avais... Enfin, pas un let's play, mais une petite vidéo. J'avais fait plusieurs parties, je crois. Parce que j'avais jamais fini, du coup j'ai supprimé, et voilà. Ok, bague imitation rare. Ouais, mais d'accord, bien sûr, mais... je veux bien, mais... au pire, on peut changer. Parce que du coup, il faut absolument la mettre à Chironia. Mais... l'autre, la bague rouillée, on peut la mettre... parce que ça... Voilà. Tout le monde a un truc, je crois. Un film plastique. Ouais, génial. Et encore un combat. Allez. Bon, après, il y aura pas... Si, dans la deuxième partie, il y aura un combat. Voilà. Mais c'est assez important pour l'histoire, donc c'est cool. Et j'aime bien. Je crois que la deuxième, c'était la préférée. Et des trois parties que j'avais testées. En 6 XP, ouais, eau gazeuse. C'est parti. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Je sais faire quoi dans cette épreuve? C'est étrange, l'artefact ne s'est pas activé. Un bug? On dirait bien, mais t'inquiète pas, j'ai fait un backup. Sors de cette salle en passant par la porte juste en haut et je vais te diriger vers le backup. Ouais. Gauche ou droite, t'es la question? Prends la porte de gauche. À gauche, donc. L'autre gauche. Ah, c'était une feinte. Allez, on prend, là. J'ai dit que c'est à gauche. Je vais voir ce qu'il y a par là. Ils ont quelque chose de plus important à faire. J'ai dit que c'est à gauche. Je vais voir ce qu'il y a par là. Je m'en fous, j'ai... Oui, en fait. Oh. Ah, tu prends la porte en haut. D'accord. Bon, bah tant pis alors. Je prends l'autre chemin. En fait, il n'a jamais fait. Elle veut jamais que je fasse quelque chose. Oh non, rien. Ah, le bâtard. Allez. Ah, tu vas tout droit. Non, blague, sans blague. Tu as une mauvaise humeur. C'est à qui la faute? Ouais, je te ferai un cadeau pour m'excuser. L'intérêt d'être génial ce cadeau. Bah, du coup, si c'est que tu as un cadeau, ça va être un peu la merde. Ouais, je ressens ce passage. The fuck. Ce fascino m'a aveuglé. Ah! Pourquoi j'ai rétréci? Ouais, ouais, ma poitrine. Rendez-moi mon corps de rêve. TG la poule. Chiro, où es-tu? Cette voix. Ya! Yeah. Et tu la poule. Moi, super Ryu est venu à ton secours. Ryu. Chiro, tu es bien, t'as l'air bizarre. C'est bien, je savais que t'allais venir me sauver. Ah ouais, je suis Super Ryu et je sauve les filles en train de se faire picoter par les boules. Picorer là, par exemple. Ah, merci beaucoup, Super Ryu. Mais comment ça neige? C'est joli. Pas autant que toi. On a dit quelque chose? Bien avec moi, j'ai quelque chose à te montrer. Qu'est-ce que c'est? Suis-moi et tu verras. Il va trop vite, ce connard. Ne cours pas si vite.
Même moi encore, quoi que si, tu parles que lui. Je cours plus demain. Allez, on est. Je vais être quelque part par là. Ah oui, voilà. Fais la course. Non, je cours trop vite. Je cherche très loin, à la fin, je me retrouve toute seule. Non, je te. Non, je viens, te retrouve. Te retrouver, genre après. Je... Ouais, j'aime pas cet endroit. Y'a plein de morts dans. C'est pas grave, les morts ne bougent pas. Ça reste effrayant. Ouais. Faut qu'on se dépêche, sinon on va être en retard pour regarder la télé. Ah, pas si vite. Dépêche-toi sans tu vas te perdre. C'est vrai qu'il y a plein de morts dans. Genre, elle a fait tout ce chemin aussi vite là. Ah, faut pas déconner quand même. Ah, voilà. Te voilà enfin, plus qu'à traverser ce pont de glace, on sera arrivé. Tu te moques de moi, j'ai envie de tomber dans le vide. T'inquiète pas, le pont de glace tracé, je serai déjà traversé sans problème. Je rentrerai à la maison. Attends, c'est pas important ce que je vais te montrer. Je suis sûr que c'est encore une de tes blagues idiotes, juste pour me faire voir. Non, cette fois, c'est du vrai. Allez, viens, je pars devant. Ah, t'es encore parti en maison toute seule. Je rentrerai à la maison. Bifoc. J'espère que ça va pas s'écouler. J'espère aussi que. Ok, y'a un truc comme ça, je sais pas ce que c'est. Ah, ça va s'écrouler. En fait, je sais pas. Tu sais, c'est pas si compliqué. C'est vrai que j'ai cru que j'allais glisser et tourner plusieurs fois. Encore un petit effort, on y est presque. Ah, d'accord, en fait, c'est pas moi qui touche. Ah, y'a deux lunes. C'est beau! Ouais, je trouve ça autre jour quand j'explorais la montagne. C'est dangereux, je serais pas exploré la montagne tout seul. Ouais, mais ça valait le coup. Ouais. Si on peut voir les 5 pays. On est tout petit en fait. Il y a un autre pays qui est le pays de l'Est, puis il y a le pays du Nord, le pays du Sud, le pays de l'Ouest et le pays du Centre. On va tous d'ici. Quand je serai grand, quand je serai adulte, quand je serai un vrai héros, oh, je serai une héroïne aussi alors. Ouais, et on se mariera. Quoi? Tu veux pas? C'est une promesse? Une promesse. Eh, je suis redevenu normal. Qu'est-ce qui se passe? Ça va péter! Pourquoi as-tu autant changé? Je suis désolé. Très bien compris. j'ai mal à la tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, rien de spécial, juste un petit bug. Ah. Bien, tu as fini l'épreuve. Oh, oh. Je te donnerai un cadeau en sortant. Ouais. Bon, je vais diriger vers la sortie. Quand je vais me débrouiller tout seul pour trouver la sortie, ça ira certainement plus vite. Non, je n'ai pas si mauvais sens d'orientation. Bah voyons. Ah, Chironien n'a pas meilleur sens d'orientation que moi. Dire qu'il a fallu 3 heures pour se sortir, je vais pourtant refaire mon aide. Certainement dans vos gènes à toutes les deux. Maître! Bonsoir, ce n'est pas souvent que tu m'appelles, que se passe-t-il? Le rêve que Chironia a passé ne s'est pas déroulé normalement. Chironia a dû se battre contre quelque chose qui lui a fait peur dans son enfance, comme une araignée ou une abeille. Ça, l'artefact lui a fait revivre une partie de son passé. C'est son futur. Ce n'est qu'un petit bug de rien du tout. Vraiment? Chironia n'en a pas l'air, mais c'est une de ses entêtes. Ses ancêtres est une hybride. Une hybride extrêmement puissante, peut-être même la plus puissante de toutes les hybrides. Et tu sais que depuis l'apparition des hybrides, énormément d'erreurs ont fait leur apparition dans la version RPG, ça touche aussi les artefacts magiques de ton donjon. Mais t'inquiète pas, c'est sans danger. Je vois. Mais son futur? Le futur n'est pas absolu, il est possible que ce que tu aies vu ne se produise que pas ou soit différent. Puis s'il arrive quelque chose, quoi que ce soit de triste, ses nouvelles amies seront là pour elle, j'en suis certain. Ouais. Bah oui. Bien sûr, question, je vais rentrer, ma femme m'attend avec un bon repas. Merci beaucoup de vous être passé jusqu'ici, et salut Sikri de ma part. Si je ne manquerai pas, ça me fait très plaisir de te revoir, n'hésite pas à me faire des offrandes. Ne comptez pas sur moi, pour ça. Quel dommage. Sur ce. Ah, le bâtard. J'espère que demain, le ciel sera clair. Non, mais dites pas qu'on est revenu quand même.
Bref. Parce que Chirania n'a pas voulu accepter mon aide, qu'elle s'est perdue, qu'elle avait demandé 3 ongles dans le code du donjon, qu'il était trop tard pour pouvoir aller plus loin, qu'il fallait descendre du donjon. C'est bon, allez, je m'excuse. Non, c'est pas ma faute, c'est plus facile de se perdre dans les dogos de votre donjon plutôt que dans le donjon lui-même. Sale biche. Que toi, on doit refaire tout le chemin. Peut-être que c'était difficile, je suis pas motivé. C'était pas si dur avec Chirania d'une manière ou d'une autre, fallait qu'on redescende pour faire la peine contre son mal. Merci, Rouge, t'es une vraie amie. T'es arabe et plate avec un visage banal et des cheveux rouges, mais t'es un cœur énorme. Ouais, ça me fait pas plaisir ce que tu dis, tu sais. Prends mes 3 heures perdues à glander pour rien. Sale bondasse diabétique. Allez vous faire traire. Sac à viande de cheval. Allez, on se calme, les filles. Puisque vous êtes revenus au village, c'est l'occasion idéale pour améliorer votre équipement. N'hésitez pas à aller voir le forgeron pour qu'il améliore vos armes. Ouais, ça, je sais, les statistiques, tout ça, tout ça. Bon, avant que j'oublie, voici, c'est à comment ce que Chironien a gagné après son épreuve. C'est que l'intelligent qui envoie de moitié votre magie lorsque vous avez 75% de vos PV ou plus. Mais pourquoi toujours de la magie? Putain, elle a 3000 trucs de magie sur elle. Mais quel qui se fait de la magie? Vous avez promis un cadeau? C'est squelette ou cadeau? Non. C'est juste la récompense de l'épreuve que j'ai passé. Et je fais cadeau quand même. Vous excusez de ma foi. On aura fait faire des allers-retours pour rien alors que vous m'avez quitté dans les locaux du jeu. Ah, j'arrive plus à parler. D'accord. Je donnerai un autre cadeau plus tard. Ouais, moi aussi je veux un cadeau. On aura un aussi. Moi aussi j'en veux un. Moi aussi. Vraiment sans gêne. Je vous offrirai tout un gros cadeau, mais il va falloir terminer le donjon avant. Ouais. Merci beaucoup. Je veux un cadeau pour moi toute seule. Vous avez besoin de conseils? Elle m'entend? Elle avait déjà fait cette blague, c'est pas possible. Faut acheter des patates. Non, pas des patates, mais faut acheter des trucs qui rapportent beaucoup de... Ça m'a l'air bien. Vous achetez que par 3. C'est chelou ça. Ah, ça coûte trop cher en vrai! Oh là là. Oh, bien, là, je suis pas radin là, c'est bon. Il faudra améliorer les armes, moi je dis. Parce que sinon, on va pas aller très loin. Alors. Mais j'aime bien mon arme. Pistolet blindé. Je vais améliorer ça parce que c'est elle qui est vachement forte. Et elle. Parce que c'est cool. Et après, elle fait un peu de dégâts, donc te poser. Voilà, donc ensuite, j'en mets vos bijoux. Et c'est du coup. Ouais. Attends, m'a donné un truc, un bac imitation or alors que j'avais. Pourquoi je peux l'acheter là? Dans les moisies. Ouais. 3 attaques, ça je veux bien. J'ai niqué tout mon argent. On va s'équiper tout ça. Alors. Ouais, bah du coup, c'est pas ici. Ici, déjà, on va lui. Ah, mais merde. Putain. Non, putain, pourquoi faut-il que ça fasse ça? Je sais pas trop quoi. Bah, parce que du coup, elle aussi. Elle a un truc. Ouais, elle a un truc. Ah merde, j'aurais jamais dû acheter ça. C'est pas grave, bon, on va continuer. J'ai plus rien acheté de toute façon, donc. J'ai juste regardé avant. Hop. Voilà. Ah! Et on est parti. Go. On y rego dans le donjon. 3 fois qu'on le voyait, mais c'est pas grave, ça passe. Je crois qu'on fera tous les donjons, on fera tous les combats en fait. Alors on attaque. En fait, je perds trop de PV, c'est abusé. J'arrive dans le boss, je suis en de la merde, je pense. Du coup, on a passé les 4 épreuves, je trouve.
facilement y arriver, je pense. Jusqu'au début du boss. Facilement, ouais. Ouais, j'aimerais te fuir en fait, parce qu'il faut que je monte au Mac. Nickel. Bon, ça, on récupère des patates et l'eau potable. C'est assez rentable. Ah non, mais je suis trop con! On peut se téléporter. Grâce à ce truc-là. Bon, c'est pas grave. Bon, bah, au moins, on saura. Défoncez-la! Alors, défoncez-la plutôt, parce que c'est une souris et que c'est un. Non, mais c'est pas grave. On reporte les stats. Toujours en attaque. Même si c'est pas de mes idées. Ah, je suis trop con! Merde! Merde, moi, tant pis, c'est pas grave. Voilà, voilà, on a fait le côté, c'est pas grave, on se rattrapera plus tard. Bague épicée. Ça sert à quoi, une bague épicée? Oh my god. Ouais, je veux bien. Mettons sur qui? Faut que Rouge apprenne le moins de dégâts possible. Mais du coup, ça lui donne une compétence à son truc. Bon, pour son truc, c'est pas. Et du coup, pour sauter sur l'ennemi, là, je pense qu'on peut mettre un putain. Allez, les couilles. Hop, voilà. Tac. On y go. Ah, ce qui est sympa, c'est ça aussi. Ouais. C'est l'utilisation de ces petits trucs. Mais toujours des combats! C'est pas le. 90 PV, c'est connard. Trop mal! C'est moi, bon, d'ailleurs, là, c'était pas beaucoup de PV, ça pourrait aller. Alors. Prochain truc, mettons en PV. Parce que sinon, ça va faire très très mal. Voilà, voilà. Allez, on est des fous. Ouais, on aurait pas dû être des fous. Parce qu'on en a deux maintenant, c'est pas génial! J'ai la flemme d'utiliser les compétences. C'est que je fais en fait, parce que vu qu'il y a ce qu'il faut prendre, ce connard. Allez, compétences. Ça c'est. Ça c'est duré. On va tomber les couilles. On peut y arriver! Ouais, t'en vas pas attaquer en première. Maintenant, tu prends un tour de pas attaquer. Ah, 7 PV quand même, faut pas déconner. Hein. Mais il fait mal ce connard! Si on est dans la merde. Oh, il nous a looté une orange. Back give up. Putain, ça c'est quoi cette merde? En fait, j'en ai marre d'obtenir des bugs parce que je peux pas les mettre. Ah ouais, merde, mais du coup, c'est une bug. Oh, fait chier. C'est trop dur en fait là. On a plein d'items, mais bon, faut pas les mettre. Oula. Ça, c'est un lézard. Faut pas venir. Je sais que ça a l'air TP de base, des RPG Maker, mais quand même. Non, tu fais une attaque normale. Ouh, défense pour 50%. Ah ouais, ça fait mal quand même. Eh, mais les résistances, je faisais plus donc. Ouais. En fait, ça va, il reste beaucoup plus long. C'est bon. Allez, c'est parti. Niveau 6. Arrête tout ton PV, j'avais dit. Hop. Voilà. Méduse.
En fait, là, les monstres sont de plus en plus what the fuck, en fait. Tu peux pas trouver une méduse dans un donjon. C'est une méduse comme ça, c'est très moche. Hey. Toujours pas mort? Ah, il a 350 plus PV. Mais en vrai, je vais mourir. Un coup de critique, je crois que j'arriverai pas. Ouf, c'est vraiment le oh, là, oui, là il est mort. En fait, rouge, elle est juste méga puissante, c'est un truc de fou. Quand même, au cas où, on va donner au max de patates à Chironir. Je n'ai plus. Ouais, ça va aller. Oh non, me dites pas que c'est ce que je pensais. Non. Ouais, il y a un cœur là. C'est chelou. Non, moi j'ai pas là. Mais bon, allez, c'est bon. On peut y aller. Quoi que je t'arrange, sauvegarder comme ça au cas où. Si on perd, on revient ici. C'est du cheat, je sais, mais. Oh oh oh! On va arriver à la dernière étape du donjon. Venez, je vais vous montrer le trésor de ce donjon. Il y a un trésor! On va toucher la terre ou quoi? C'est abusé, hein, force. C'est beau, ouais. On s'est pas fatigué pour rien. Heureusement, je t'aurais buté sinon. Pourquoi j'aimerais buter cette biche? Parce que t'es une sale biche au fond des garnis. Espèce de grosse vache obèse et diabétique. Qu'avez-vous? Je peux pas vous profiter de la vie si je vous entends vous disputer. T'as pas le droit à cette parole, espèce d'immigré. L'affaire entre pays de voleurs. Vous m'énervez vraiment tous les deux. Ah, sniff, elle pleure. Pourquoi tu pleures? Parce que j'ai traité rouge d'arabe. Arabe n'est pas une insulte. Et ben non, c'est juste que j'ai jamais autant amusé toute ma vie, ça me rend très heureuse. Voir des gens passionnés me rend mal à l'aise. Moi aussi, je serais content d'être ici. Tout à fait, ça fait longtemps que je me suis pas senti aussi bien. Pas si bien que tu sois mon ami. Ah, c'est super embarrassant. J'ai envie de me cacher. Ça cause pas trop. Ne pleure jamais quand t'es heureuse. Je regardais tes larmes pour rouge lorsqu'elle mourra en mangeant une neuf sur moi. C'est quoi le rapport? Un rat et un porc. Un rapport? Putain. Sniff. Ah, tu repleures. T'as dit de pleurer quand c'est rouge pour à cause d'un rapport mangeant du jambon. Enfin, de ma mort et du jambon. Putain, mais c'est n'importe quoi. Tiens, prends ce mouchoir. Merci. Là, c'est bizarre, j'avais pas de mouchoir dans l'inventaire. Moi, me fait chaud au cœur, l'amitié est si belle. C'est très gênant. Si vous pouvez ne pas en rajouter. Je suis très timide maintenant. Bien, après vos confessions d'amour, commençons votre combat contre le boss final. Oh mon dieu, elle marche dans les airs! Elle flotte, c'est cool. Je suis une hybride extrêmement puissante, mais comme vous êtes fini aussi, j'ai baissé ma puissance au minimum. Donc ça devrait être plus facile pour vous de nous. Quand vous m'aurez vaincu, le trésor du monde sera. C'est quoi ce sera? C'est du panoramique, ici on voit toujours la première ligne. C'est magnifique, n'est-ce pas? Ouais, putain. Ouais, y'a pas quelque chose de plus matériel, vous allez être déçu. Moi j'aime bien. Ça c'est bizarre. C'est pas bizarre. C'est arabe. Oh putain les dialogues. Ça n'a rien à voir. C'est devenu pas si mal quand même. Ouais, la vue est superbe. Ouais, c'est rare de pouvoir aller aussi haut. Absolument. Mais je préfère avoir quelque chose que je puisse emporter avec moi tout de même. Soit. Pour que le marque soit plus épique, je vais prendre une autre forme. Ah, un dragon. Un dragon. Finalement. Cette vue n'est pas si géniale que ça. Ne vous inquiétez pas, on parlera de votre donjon aux personnes que nous croiserons. Nous sommes toutes prêtes? Partons. Attendez. Où partez-vous maintenant? Je peux pas mourir. Personne ne mourra. Et si je perds un bras, la version RPG protégera trop moi. La personne dont vous dites ça ne me rassure pas. Ne vous inquiétez pas, vous ne risquez rien. Si vous êtes une hybride dragon quand même. Le type d'hybride le plus puissant de tous. Oui, je suis une hybride dragon originale.
hybride dragon original. Certains hybrides originaux sont immortels et ont un pouvoir qui dépasse les limites de la version RPG. Je préférerais mettre avec du jambon plutôt que de l'affronter. Alors nous en avons qu'elle nous mange. Vous êtes désespérante. Vous ne partirez pas avant d'en avoir vaincu. Non, vous me tuez. J'ai encore beaucoup de choses à vivre. Je vais mourir ici. C'est cette femme qui vous gêne apparemment. Je vais pas me faire les mains comme ça tout le monde sera content. Faites peur quand même. Moi, vous savez que vous êtes une hybride dragon original, nous ne pouvons plus battre. Nous avons vaincu. Nous avons vaincu. Mais non, c'est bon, je vais me battre moi. De ne pas pouvoir vous aider plus. D'accord, combat commence quand même. Non, voilà, pareil. Non, c'est pas juste pourquoi vous forcez le combat. Vous êtes méchante. J'espère que je ne souffrirai pas trop longtemps en grand mouvement des souffles. A plus de parler, battez-vous, sérieusement, sinon vous regretterez. C'est cool les petits effets comme ça. Alors là, ce combat, oh putain de merde. J'ai galéré sa mère. En plus, elle a 1000 et quelques PV, voilà. On se calme, ok. Moins 50% de dégâts magiques. Attaque. 35% de dégâts. Mais elle a pas d'attaque, elle. Ah, si, quoique. Hop. J'en connais qui vont mourir très souvent. Voilà. Surtout éviter que Rouge meure. C'est elle qui va faire le. Qui a décidé d'aller au combat. Eh bien, franchement, on va pas y arriver, ça va être horrible. On m'a fait perdre que. La merde! Balle bleue. Elle m'a provoqué. Du coup, elle est empoisonnée, ça c'est bon. Ouais, ça peut être mal ça. C'est une biche. Ça va être ton cola ou toi le mec. Ouais, c'est pas. Ah, si, ça peut être pas dit ça. 50% de magie pour ce tour. Ah, ouais, non, en fait ça fait. Ouf. Du 114. Ah, ouais, quand même. Il se prend le poison. Oh, vous êtes plutôt doué. On va passer en chose sérieuse maintenant. Non mais c'est bon. Merde. Du coup, la récupère ça. Ah, j'ai plus rien. On va attaquer. Attention. Yes. Ouh. Mais sérieux, toujours pas! Oh non! C'est plus rien. Ah, mais j'ai plus de PM, c'est pour ça! Objet. Ah ouais, bon ça. J'aime bien que j'ai les objets. Ouais! Je savais pas que j'avais les objets aussi. Bien. Attaque moins 50, bombe, pas une petite bombe. Ah voilà! Ouais putain, les objets c'est vachement bien. Il y a pas des trucs pour rendre les PM aussi. Eau potable, ah oui.
Et... Mais pourquoi donc? Pourquoi j'ai mis ce protège? Ouais, mais elle n'était pas endormie! Bon, c'est pas grave. Je sais pas c'est quoi le plus simple. Wow. Bah quoi que... Allez. On va l'utiliser. Prends 10 PM sur elle. Ouais, tu peux utiliser, c'est bon. Et toi... Allez, laissons. Je pense à mort. Oh, c'est bien excitant. Et elle change encore de forme, putain de ta mère. En plus, elle attaque deux fois. Aïe aïe aïe. Voilà, franchement, on peut y arriver, mais ça va être très difficile. Et Chironia, TPV s'il te plaît. Parce que franchement, ça va être très 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 chaud. Voilà, c'est bon. La musique est vachement cool en fond. J'ai pas tout capté, mais. J'aurais dû faire lancer d'amis. Je suis trop con. Sans danger. Oh non! Boost d'agi. Voilà, je retourne. What? Pourquoi attaque deux fois là? Elle attaque trois fois avec ton impact. Ah mais j'ai plus rien. Attaque, compétence, saut de biche. Voilà, là, faut absolument que j'utilise des trucs. Genre... Du PM sur... Elle. Des compétences. Parfait, iceberg, ça attaque là, ça tire attaque je crois. Ouais, lancez de lui. Elle a rien, oh non, c'est... j'aurais dû utiliser ça. Ah putain, j'espère que ça fait trop mal! Oh yes, on l'a battu! Oh! 9999 PE! Patate, super PU! Déjà maintenant niveau 7. C'est pas tout le monde niveau 7 maintenant. C'était chaud quand même, hein. J'ai vu la mort. L'enfer doit ressembler à ça. Vous avez beaucoup de potentiel, j'ai failli devenir sérieuse. Je parlais de savoir comment elle est lorsque je deviens sérieuse. J'avais dit que c'était une brune extrêmement puissante. À cause de vous, ma vie est diminuée de 20 ans. Ah, tu te vous plains, vous m'avez vaincu. Le trésor de vous est à vous. Je vais rentrer. Moi aussi, je suis fatigué. Je sens plus mes jambes. Je vais m'écrouler. Le triste savoir. Je parle de la part d'une brune dragon original qui a fait nous dévorer vivante. Oh oh oh. Vous avez votre temps pour manger, vous allez vous étouffer sinon. Nom nom nom. Je peux tout faire tous les autres. Qu'est-il rouge? On va se greffer comme des animaux enragés me coupe l'appétit. Me gamer m'amener quoi? Comme moi. Ok. Parlez pas, bouge plus. Ouais, on va pas lire. même si j'ai accroché un peu la bouche. Même si vous parlez à bouche pleine, je comprends ce que vous dites. Oh oh, c'est très plaisant de manger avec du monde. Maintenant, on va finir cette partie et ce sera fini. D'ailleurs, j'ai mes jambes qui va exploser, j'ai trop mangé. Je me sens mal. Ça vous apprendra à manger comme des sauvages. Ah, je peux, j'ai même passé trop en vacances, je suis contente. Ouais, c'était cool. C'est bientôt la rentrée. Ah non, pour casser un peu, t'as sûr, ça fait pas. Désolé. Ah, j'ai oublié de m'inscrire dans un lycée. Moi aussi. On va se dépêcher alors. Vous savez où vous inscrire? Non.
Pardon de vous quitter, vous avez beaucoup me manqué, vous aussi, je penserai à vous de temps en temps, je ne vous oublierai jamais. Vos enfants, je ne pourrai pas le cadeau que vous devez. toi aussi, t'as un endroit cassé en ambiance. Ne vous inquiétez pas, je vous enverrai vos cadeaux par la poste. Je vais vous faire quand vous êtes parti en voyage. C'est pourtant que je peux quitter cette île, je ferai de la publicité des jours plus tard. Ça n'a pas l'air, mais je vais très bien et je sais de monter cette vidéo. Achetez-moi des souvenirs pour votre voyage. Ouais, des beaux, des chers. Ouais, ce sera mon cadeau pour mon vrai aider. Non, je veux un cadeau pour le donjon et un souvenir de votre voyage. Oh bâtard. Arrête de jouer les filles regattées, sinon tu n'en auras rien du tout. Au fait, quel est votre vrai nom? Mon vrai nom? C'est vrai qu'on vous connaît pas, qu'on vous connaît que sous le nom de la dame. Voilà. C'est pas votre vrai nom? T'es tellement stupide que t'avais pas remarqué ça. Je suis Veil, le dragon de diamant. Veil, le dragon de diamant. J'ai déjà entendu ça quelque part. C'est vraiment l'heure de se quitter. First! Oh, comment elle a sauté! Belle espèce de tricheuse! Attendez! Au revoir, madame Veil! Il veut aussi au revoir, Sironia! Ouais. Prends soin de toi, t'es d'accord? Prends soin de mon corps de rêve tous les jours! Au revoir! J'espère que tout se passera bien. Bien, je me préparais à partir pour le pays de l'Ouest. Ça fait si longtemps que j'ai pas vu Golo. Je me demande comment. Là. D'accord. Grand-mère! Les enfants! C'est le jour. Elle va passer de bonnes vacances. Ouais, on a encore une fille morte au Côte Rose. Au Côte Rose? Elle s'appelle Petronille. Elle n'est pas dans le plan que tu nous as donné. Je vois. C'est peut-être bizarre, grand-mère. T'es malade? Je suis malade, t'inquiète pas. Comment était le maître du donjon? Elle était gentille? Elle est très contente d'avoir des aventuriers dans son donjon. Je vois. Tu fais encore une tête bizarre. Je repensais juste au passé. Allez, prends une douche toutes les trois, nous irons dîner ensemble ce soir. Je t'y ai. Ouais, c'est aussi pas longtemps qu'on n'a pas dîné avec grand-mère. Allez, dépêchez-vous. D'accord, allons-y. First. Quelque chose ne va pas. Grand-mère, c'est Petronille. Je lui demandais à quelqu'un d'enquêter sur elle. Tu ne feras pas le plan. J'ai engagé plusieurs mercenaires en cas. J'espère que tout ira bien. Ah, il ne fait pas attendre Varsovie et Nanako. Varsovie. Belle fille. Oui. Mets ton enquête sur cette jeune fille qui s'appelle Petronille. À vos ordres. Ok. Veille, ça fait longtemps que nous ne sommes pas vus. Que ferais-tu à ma place? Fin du premier chapitre. Yay! On a fini le premier chapitre. Ouh. Et voilà, c'est fini. Et là, on recommence devant le même truc. Quoi? Tu es hanté? Juste, je vais voir mon truc. Ah, d'accord, c'est tout. On va quitter le jeu alors. Ouais. Voilà, voilà. Donc, j'espère que cette première partie, ce chapitre 1, vous aura plu. Il y aura deux épisodes. Je pense que chapitre 2 va durer un ou deux, pareil, parce qu'il n'est pas très très long, c'est plus du blabla qu'autre chose. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Like, subscribe, et commentez. Ouais, parce que and, ça ne fait pas très très bien. Et voilà. À plus les gens!